toutes les filles qu'il y avait là. Ça, c'est à vous. On le cherchait, on le passait à un autre. Après, c'était fini, on rentrait dans la maison, là, c'était la gel, la danse, la soirée. Là, il y avait un petit peu d'alcool. Ben, c'était le pire de la maison qui passait là. Le premier la bouteille. Il vitait ça d'un verre, un à l'autre, c'est tout. Pour les hommes. Et puis, du joueur de violon, il y avait sa bouteille. Les femmes? Non. Un verre de vin parfois, mais... Tant, à l'occasion. Ça aurait été bien intelligent de donner un peu de blanc aux femmes. Oui, c'est sûr, hein? C'est sûr. Mais on s'est amélioré. Vous, depuis ce temps-là, on s'est repris un peu, tu sais. Le joueur de violon, il y avait une bouteille de bière au côté de lui. C'était pour le tenir en marche. C'était pour le tenir réchauffé. C'était-tu lui? C'était-tu Naftali qui jouait au violon? Navado. Écoute ça, Michel. 45 cents par année, moi, je vais penser à mes taxes que je paye. Si je multipliais par le même mon salaire, je suis pauvre, vrai. Aujourd'hui, comparé à ce que vous étiez, parce que tu sais, tu gagnes pas grand-chose, mais tu as 45 cents de taxes. C'est une merveille. Ma maison coûtait 2100$. J'ai bâti moi-même, j'ai acheté une école, j'ai acheté un terrain. Veux-tu la maison, si tu fais 2$ par semaine, tu vois, tu fais 2$ par semaine à travailler. Ouais, la maison coûte 2000$. C'est ça? Ouais. 2000$? Ça veut dire quoi? Je ne suis pas capable de calculer. Mais c'est pas, tu sais, veux dire, on était aussi riche avec 2500$ qu'aujourd'hui avec 25 000$. Je ne connaissais pas d'autre chose. Mais on avait moyen de s'acheter un char. Un char payait ça 154$. Lequel des deux qui est le char le premier? Oui. Moi, je l'ai eu après que j'ai été marié. Je marchais pour aller voir ma blonde. Il va voir ça, son cousin. Il faut arrêter ça, c'est pas possible. Allez-vous nous faire entendre le violon de Naftali? Ah oui, mais prenez votre temps de vous réchauffer. T'sais, non, mais, hey, Herbert, tu sais, quand on dans une soirée, on n'arrive pas à dire, tu sais, deux, trois petites notes se réchauffer, là. Non, non, mais les trois, quatre premières notes, ça compte pas, là, tu sais. Chanson? Ça va être quoi, vous allez chanter? Ah oui. Le soleil se leva à l'horizon d'Opale. Le soleil se leva à l'horizon d'Opale. C'est presque toute la chanson dans le titre, déjà. OK, on écoute. Le soleil se leva à l'horizon d'Opale. La louette achevait sa chanson matinale. Était partout dans chaque fleur nouvelle, au bois, au pré surtout, au nid de l'hirondelle. Et moi, le cœur joyeux du retour du printemps, je me mis à chanter comme on chanta. Un enfant mort.
ce qui charmait en elle. Seulement qu'en la voyant au bord de l'onde dure, se penchant souriant, je l'aime et je le jure. Et moi qui l'avais vu, hélas, quelques instants, je me mis à rêver comme on rêve à 20 ans. Et moi qui l'avais vu, hélas, quelques instants, je me mis à rêver comme on rêve à 20 ans. Je vis le lendemain, non pas au bord d'un lande, mais assis au chemin, la jeune fille blonde. Je vis qu'ils étaient deux, à deux larmes joyeuses, comme il était heureux, comme elle était heureuse. Et moi, jaloux de leur bonheur, de les voir si contents, je me mis à Beau? C'est tellement beau, j'ai pleuré là, un peu là. J'ai vu, excusez-moi. Ben, tu comprends, moi, je m'en venais comme ça, caché de la caméra pour pas qu'on me voit. Tu comprends bien, putain, comme ça, tu sais. C'est beau de donner du sentiment à l'homme. Hein? Non, mais c'est les paroles. Les paroles sont belles. C'est hein? Beau, hein? C'est quoi le titre déjà? Le soleil se leva. Le soleil se leva, l'horizon d'opale. C'est mignon comme ça. C'est maman qui nous a montré ça, c'est une vieille chanson. C'est ma arrière-grand-mère. Arrête, ça, c'est une belle forme, c'est comme une vieille chanson.